بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم امتحان للتحضير للامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية، وهذا الفيديو موجه للتلاميذ والتلميذات ديال المستوى السادس. إذا هذا مقترح ديال الامتحان كان داز في 2019 ديال مديرية شفشاون ضمن جهة طنجة تطوان الحسين. إذا عارف شحال من واحد فيكم غادي يقول لي أستاذ 2019 كانوا الدروس كاملين، هاد العام ماشي الدروس كاملين، كاين إطار مرجعي. إذا إن شاء الله غادي نديرو هاد الامتحان، كل ما هو ما دخلش في الامتحان غادي نذكرو، واللي دخل في الامتحان غادي نديرو. داكوغ؟ إذا مرحبا بكم في هاد الفيديو. Donc, nous devons faire l'examen. Donc, qui nous le texte, je vais vous lire suivre avec moi. Le respect du pain. La porte de Panessac est en pierre. Il y a dans l'air la poussière fine de la farine et le tapage des marchés joyeux. C'est ici que les boulangers et les meuniers viennent s'approvisionner. Un jour, je jetais une crotte. Mon père est allé la ramasser. Il ne m'a pas parlé durement comme il le fait toujours. « Mon enfant, m'a-t-il dit, il ne faut pas jeter le pain, c'est dur à gagner. Nous n'en avons pas trop pour nous, mais si nous en avions trop, il faudrait le donner aux pauvres. Tu en manqueras peut-être un jour. » Et tu verras ce qu'il vaut. Rappelle-toi ce que je te dis là, mon enfant. Le respect du pain, yani ihtiram al-khubz. La porte de Panessac est en pierre. Yani le bab dial. Le Panessac, il y a une place là qui est tchnoufia. Ça fait qui est tchnoufia zra. Il y a dans l'air la poussière. Kain fil hawa. La poussière. L'ghabra. L'ghabra al-qiqa. Dialesh dial la farine. Dial farina. Et le tapage du marché joyeux. C'est ici que les boulangers, yani le khabbaz, ou les meuniers, yani les kithan ou les kikhbaz, viennent s'approvisionner. Et donc, من هنا كيجيبوا الطحين باش يجنوا الخبز. D'accord? يعني هذا كيوفر لهم، دونك هاد المطحنه كتوفر لهم هاد الشيء هذا. ان جور جو جوتي اون كروت، واحد النهار رميت واحد القشره ديال الخبز، واحد القطعه ديال الخبز. مون بير اي الي لا غاماسي، بابا ناض وجمعها. إل نو ما با بارلي دورمون كوم إل لو في توجور، ما هضرش معايا قاصح كما دائما. مون انفون، ولدي، إل نو فو با جوتي لو بان، ما خصناش نرميو الخبز. سي دور ا غاني، راه صعيب اننا نربحو الخبز. نو نو نافون با ترو بور نو، ما عندناش بزاف لينا. مي سي نو اون افيون ترو، ولكن إلا كان عندنا بزاف، إل فودغي لو دوني او بوفر. خصنا نعطيوه للفقراء لي بوفر. تو اون مونكورا بوتيتر ان جور، ممكن ما تلقاهاش واحد النهار. إي تو فوغا ce qu'il vaut. On va dire tout ce qu'on va dire. Rappelle-toi ce que je te dis. Tu d'accord le calame d'Ali, mon enfant. C'est bien. D'abord, on va dire les questions qui sont là. On a la compréhension de l'écrit. Il y a 15 points. Ça fait que je n'ai pas l'état majeur. Je vais dire la compréhension de l'écrit. D'abord, la première question complète le tableau suivant. Donc, on a le tableau. On a le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur, on a dit comme Julie. Titre de l'œuvre. Titre de l'œuvre ou à l'enfant. Vous avez le titre de l'œuvre. L'année de parution. Yani sanat nashr 1879. D'accord. Titre de l'extrait. L'extrait yahdi. Makta min had l'œuvre had min had riwaya. Donc le respect du pain. Le respect. Du pain. C'est bien, le respect du pain. La deuxième question, c'est un texte. Est-ce que c'est narratif, ou bien informatif, ou bien descriptif? Donc, descriptif qui est wasfi, il fait le wasf. Informatif qui confirme à l'oumet. معلومات على الصحة ولا معلومات على شي حوايج مضرة بالصحة إلى غير ذلك. ناراتيف هو اللي فيه التعاود، يعني كنعاودو. داكوغ لا ناراسيون، دونك هذا هو اللي صحيح. صافي؟ دونك هذا سيت ان تكست ناراتيف، هذا كيعاود واحد النهار رمى الخبز وبابا يعني شنو قال له الى غير ذلك. كيسيون 3، كيل سون لي بيرسوناج دو تيكست؟ لي بيرسوناج هما الشخصيات ديال التيكست. كاينين دو بيرسوناج، دونك لي بيرسوناج سون لي بيرسوناج سون لونفون اي لو بير. L'enfant et le père. Le walad ou le bébé. Question 4. Choisis la bonne réponse.
Les événements du texte se déroulent à la porte de Fiandre ou bien les événements du texte se déroulent à la porte de Panessac. La porte de Panessac. Donc, la deuxième, Question 5, réponds par vrai ou faux. La porte de Panessac est en pierre. Oui, vrai. Vrai. Nous trouvons maintenant la deuxième phrase. Les marchés sont tristes. Les marchés sont joyeux. Les marchés joyeux. Donc, des faux. L'enfant a ramassé une crotte. Non, l'enfant a jeté une crotte. Ça fait? Ou les jumahamashihua. L'enfant, c'est le père. Ça fait donc faux. Le père a jeté la crotte. Non, c'est l'enfant qui a jeté la crotte. Donc 9. La question 6 maintenant souligne la bonne réponse. Dans ce texte, faites le texte d'ailleurs, le père parle durement à son fils. Le père parle gentiment à son fils. Il ne m'a pas parlé durement comme il le fait toujours. D'accord? On passe maintenant toujours. Dans la compréhension de l'écrit, question 7. Pourquoi il ne faut pas jeter du pain? Parce que c'est difficile ou bien dur de gagner, d'accord? Il ne faut pas jeter du pain, c'est dur à gagner. On dit que c'est dur à gagner. C'est dur. Gagné. Donc, je pourrais me le texte, ça va. Qu'est-ce que tu penses du comportement de l'enfant? Je nous quitte là. Le comportement de l'enfant. Je suis pas d'accord. D'accord. Avec l'enfant. D'accord. Parce que le pain est pour la santé, il faut donner, il faudrait donner pauvres. Pauvre. Ou bien, c'est un nègre, d'accord? Donc, je vais vraiment comprendre comme ça fait. Deux autres maintenant, l'activité réflexive sur la langue, le lexique, la grammaire, la conjugaison et l'orthographe. Donc, on va commencer par lexique. Donc, le souhait, les médailles, je fais l'examen, je me rends dire, d'accord? Le lexique, elle est à l'état d'une note, relève le texte. Je donne le texte. Perdre, de dialogue. Au riche, n'a pas de dire. Donc, perdre, il y a d'ailleurs. De dire, il y a rebeh, donc gagner. Ou le chral, il y a riche, de dire, il y a pauvre. Riche, il y a gagné, de dire, ou fakir, ça fait. Très bien, donc suivez avec moi. Perdre, c'est gagner. On est riche, c'est pauvre. Très bien. Pour les synonymes de heureux, synonyme de heureux. Heureux, il y a farha, donc joyeux. Ok, neuf le texte, les marchés joyeux. Difficile, c'est dur. En fait, dur. Difficile à gagner, dur à gagner. Ça fait dur à gagner. C'est bien. On passe à la question suivante. Suivez avec moi. Donc, na complète par préfixe ou suffixe. On passe maintenant à la grammaire. 6 points. Transforme cette phrase déclarative en phrase interrogative. Had la phrase hadi. Adin hawluha. Wahed le jumla. Lihia stifhamien. Telakan m'enna jumla. Tkreria. Ikhbari. Ça fait. Donc, il y a dans l'air la poussière fine de la farine. Donc, il y a bzaf diel torak. Donc, on kin dirou la point d'interrogation. On kin dirou la l'inversion sujet.
Donc, il dit est-ce qu'il y a. D'accord? Est-ce qu'il. Donc, il dit comme ça, est-ce qu'il y a dans l'air la poussière fine de la farine? Point d'interrogation. D'accord, point d'interrogation. Comment qu'il me dit rire? Point d'interrogation net, ou les phrases interrogatives. C'est vrai? Question 12 souligne le groupe nominal sujet. Groupe nominal sujet, attestera. Ça fait donc un serre le verbe. Le verbe, c'est groupe nominal sujet. Les boulangers ou les meuniers viennent s'approvisionner à la porte de Panessac. Donc, le verbe, c'est vient, le verbe venir. Donc, l'équipement, ça, c'est le groupe nominal sujet. D'accord? Question suivante, on tourne le groupe verbal. D'abord, on doit voir le groupe verbal. Donc, le verbe et les mots qui suivent le verbe. D'accord? Le petit enfant a jeté une crotte. Donc, le verbe, c'est a jeté. Ça refait le passé composé. Donc, le groupe nominal, c'est le verbe qu'un. Ça, c'est le groupe, pardon, le groupe verbal. D'accord? Le groupe verbal, c'est le verbe plus les mots qui suivent le verbe. Question 14. Souligne l'adjectif qualificatif et indique sa fonction. L'adjectif qualificatif, on va dire qu'on va attribuer l'épithète. Donc, il y a une différence entre épithète ou attribut. Donc, épithète, on va dire qu'on l'adjectif, l'adjectif, là, ça qu'on a le nom, qui est le qualif, ou on a qu'on l'adjectif, l'adjectif, ou qu'on le verbe maintenant être comme ça, ou qu'on le nom, ou l'axe. D'accord? Donc, la différence entre attribut et épithète. Donc, la poussière de la farine est fine. Rabra di farina est fine. Tu vois, c'est l'adjectif. L'adjectif ouad. Ou le nom ouad, comme la poussière de la farine. Ou l'on dit le farine. Donc, on a le verbe. Le verbe être, verbe d'être. Donc, le fonctionnement, c'est épithète. C'est un adjectif épithète. C'est un adjectif. Donc, complète par CCT, CCL, CCM, COD, COI. Donc, là, on dit la phrase, il y a juste les compléments, ada ou ada. Radin wesh, CCT, complément circonstanciel de temps, CCL, complément circonstanciel de lieu, CCM, complément circonstanciel de manière, COD, complément d'objet direct, ou COI, complément d'objet indirect. Donc, là, un jour, c'était. Une crotte, machi complément circonstanciel de temps, machi complément circonstanciel de lieu, machi complément circonstanciel de manière, faire comme un complément d'objet direct ou bien complément d'objet indirect. Elle dit complément d'objet direct, elle lâche les NNR quand on le je jetais quoi? Machi je jetais à quoi ou bien de quoi? Je jetais quoi? Je jetais une crotte, d'accord? Question suivante. Exprimer la cause en reliant ces deux phrases. Donc, radi, verbe les deux phrases. On va exprimer la cause, d'accord? Donc, il ne faut pas jeter le pain, c'est dur à gagner. Donc, il, comme ça, il ne faut pas jeter le pain. Dis-le car, hein, car c'est dur à gagner, c'est dur à gagner. Question suivante, deux autres, maintenant l'activité de la conjugaison. D'accord, c'est l'activité de la grammaire. L'activité de la grammaire, c'est la quand l'examen. Conjugaison, conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Donc, on a besoin des verbes entre parenthèses, on a besoin de faire le zemen, el-munasib lilum. Donc, on a le marché, la première phrase, le marché, le verbe être, joyeux. Le verbe être, on a besoin de faire le présent de l'indicatif. Donc, on dit celle. Le marché, c'est il singulier, donc il est joyeux. Ça va? Elle, le verbe avoir, beaucoup de pain. Le verbe avoir avec elle, du pluriel féminin, on va faire le futur simple. Donc, O, on va dire O-N-T. D'accord?
Il ou bien elle du pluriel, qu'en dit-on, auront. Nous, le verbe acheter, le passé composé. Nous avons, donc le verbe acheter qui est l'auxiliaire avoir. Nous avons acheté. Avec E accent à la fin. Nous avons acheté de la bonne farine. Le petit enfant, le verbe rugir, l'imparfait. Le petit enfant, c'est il, singulier. Rugir, c'est un verbe du deuxième groupe, donc rugir. Comme ça, Hadawa le radical. Radizit, terminaison de l'imparfait. Radizit, A-I-T. Ça fait rugissez. Rugissez. Donc, le petit enfant rugissait de honte. Se rappeler de ses conseils. Hada, c'est l'impératif présent. Hada, madarech l'examen. L'impératif présent, non, sol tuli. Hada, madarech l'examen. Deuxièmement, maintenant, je, le verbe aimer, bien aider les pauvres. Conditionnel présent. Conditionnel présent d'art. Elle a en effet le futur simple ou futur simple déjà. Le verbe aimer, le conditionnel présent, donc le radical du futur, radizid, terminaison de l'imparfait. Terminaison de l'imparfait, je, radizid, A-I-S. J'aimerais bien aider les pauvres. C'est-à-dire, donc, on dirait l'accent. Ça fait? Maintenant, on passe à l'orthographe. L'orthographe, suivez avec moi, s'il vous plaît. Question 18, mais l'accent convenable sur la lettre en gras. Donc, tchahadi, madakhlash. Ça fait? Ça nage l'accent. Aussi, tchahadi, madakhlash, les mots composés, mais qui nichent l'examen, qui n'est les mots invariables. Mais qui serait rouge. Question 21. Choisis la bonne réponse. Donc, il 13 ans. Il a avec accent ou bien il a sans accent. Il a dit le verbe avoir. Donc, il a dit le verbe. Il a 13 ans. D'accord? Elle se lave les mains avant les repas. Est-ce que c'est ceux qui s'écrit avec SE ou bien ceux qui s'écrit avec CE? Rabbeina, il a dit. S-E-L-H, le verbe lave. Ou hadi, le qaïda, ce s'écrit avant le verbe et ce s'écrit avant le nom. D'accord? C'est son ou bien son ami. Donc, hadi, quand on hada, l'ami dielo, yani, c'est son ami. Les pauvres, femmes, en femme ou bien en femme. Donc, on a dit, les ptélèches, les nhadi, la quête d'ordi, le pronom. Le pronom, il a déjà les pauvres enfin. C'est bien. Deuxièmement, maintenant, la production de l'écrit. Suivez avec moi. Production de l'écrit, d'ailleurs, elle est à ce moment-là. On a deux questions. Complète le texte suivant par les mots qui conviennent. Donc, on a le texte qui est là. On a le kalimat, ça doit être là. On a le kalimat, on a le faragat. Donc, la pollution, la femme, alimentaire, nourriture. Selon la FAO, la moitié seulement d'eux jetés dans les pays industrialisés suffirait à nourrir l'ensemble des personnes pauvres et donc à mettre fin à quelque chose chaque dans le monde. Le gaspillage contribue aussi à de l'environnement car la production de nourriture et l'agriculture en général sont des principaux émetteurs de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc ici c'est très facile. Donc la moitié seulement de nourriture. Nourriture, RDA, jetée dans les pays industrialisés suffirait à nourrir l'ensemble yani kafia donc had makla li karmiouha kafia enha toukel fuqara ça fait et donc à mettre fin mounkin touda al had dial majaa à la faim yani al majaa dans le monde l'alam kamel le gaspillage li houa tbdir tbdir ou le gaspillage alimentaire yani tbdir dial al ghidaa contribue aussi à la pollution, d'accord? La pollution. Qui dit tchalaouz l'environnement, car la production de nourriture et l'agriculture en général sont des principaux émetteurs de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est bien. Deuxièmement, la dernière question, 22, écris une lettre à ton ami dans laquelle tu lui donnes des conseils pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc, radit sayfot wahed risala al sahbek. ياك تعطيه فيها نصائح حول تبذير الغذاء يعني خصنا ما نبدروش اتسيتيغ دونك اول حاجه خصك ديرها خصك تريسبكتي هاد لا كونسين هادي يعني شنو يعني ما تمشيش تهضر مثلا على ليكول ضروري ما تهضر على لو غاسبياج اليمونتير داكور دونك ريسبكتي
respecter respect de la consigne. يعني خصك تحترم الكونسيغن هي هذه عليها نقطة صافي، نقطة هي احترام الموضوع صافي. أنا غنعطيكم غير لي كونسيغن، نتوما كتبوا اللي بغيتوا صافي، غير هو خصكم تعطيو نصائح حول التبذير الغذائي صافي. دونك عاوتاني ريسبي، شنو آخر؟ ريسبي دي كاركتيريستيك، كاركتيريستيك هذه مهم، ستيك دو لا لتر. يعني لا دات اي لو ليو هنايا، مثلا طونجي، مثلا طونجي لو 16 7 2021 باغ اكزومبل. هنايا داك شير امي فورمول دابيل، هنا في لو ميساج دير لو ميساج، هنايا لا فورمول يعني دو بريز دو كونجو اميكالمون باغ اكزومبل، mais calmement par exemple. Ici la signature, d'accord, signature. Donc c'est un mot, donc la caractéristique de la lettre, ça fait. Donc il y a des mots bzaf, il y a plus de points. Aussi les autres liha, la conjugaison, d'accord, la conjugaison cette consonne, ça fait لي فراز يكونوا مصرفين او مكتوبين بطريقه صحيحه صافي. دونك هادشي اللي كان في هاد لا فيديو، كنتمنى انكم تزيدوا تتبعوا قناه تربويه مع الاستاذ محمد البخاري وتشتركوا ودعموا القناه. القناه دائما مستمره معكم، وسمحوا لي على الغياب اللي كان خارج عن الاراده. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.